Bien bonjour et bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour une nouvelle réalisation ensemble. Alors, je suppose que en voyant cette boîte, vous voyez tout de suite de quoi il s'agit. Pour ceux en fait qui suivent la chaîne, il y a un mois ou deux, j'ai réalisé un modèle en no grade du Mobile Boku de la série Gundam Seed. Et je vous avais dit que je réaliserai la version HG pour ensuite pouvoir faire un comparatif et vous montrer les différences qu'il peut exister entre un kit en no grade qui peut être très sympa une fois peint dans sa vitrine, mais qui au niveau des poses dynamiques et des articulations peine un petit peu. Et puis un kit HG qui lui est fait vraiment pour pouvoir réaliser des poses dynamiques qui est censé être très bien articulé et être un petit peu plus du coup détaillé également. Donc j'ai récupéré donc ce kit pour pouvoir faire ce comparatif. Alors pour rappel, le modèle en no grade, ça donnait ça. Un résultat qui, moi, me satisfait tout de même, hein, puisque le but étant de l'avoir dans une vitrine et de ne pas le trifouiller toutes les 5 minutes et d'aller jouer avec. Et donc, nous allons attaquer la version remasters de ce kit qui date donc de 2012. Hein, ce n'est pas le kit d'origine, c'est une version remaster. C'est-à-dire que les versions remaster, ce sont des versions de kit HG de Gundam Seed qui ont été revus et corrigés à l'occasion de la sortie de la série en HD pour le 10e anniversaire, si je ne dis pas de bêtises, et la version Blu-ray. Et ce sont des versions qui sont donc censées avoir une couleur légèrement modifiée pour correspondre un peu plus à la série. Et puis qui sont accompagnés de stickers un peu particuliers que l'on a tendance généralement à retrouver dans les kits RG, donc les kits Real Grade, et qui apportent vraiment un plus à ces maquettes. Donc au niveau de la boîte, on a un visuel qui est très sympa puisque on voit tout de suite les deux modèles différents de Mobile Boku, un avec ses doubles canons et puis un avec son lance-missile. De l'autre côté, nous avons un aperçu donc des décalques, enfin non, c'est pas des décalques, c'est des stickers. Des stickers un peu particuliers qui vont vraiment apporter un joli cachet à cette maquette une fois finie. Nous avons des images du modèle montées, mais non, pas peint. Avec ici une pose dynamique avec les canons, ici avec le lance-missile. On peut s'apercevoir que nous pouvons dans la gueule du mecha mettre les deux beam sabers de chaque côté. Nous avons ici une vue du modèle avec du coup les chenilles repliées pour façon à pouvoir avancer à la façon d'un tank, puisque c'est un mecha qu'on le retrouve dans la série dans un milieu un peu désertique. Donc les chenilles lui permettent de se déplacer rapidement sur le sable. Et puis ici, voilà, une vue arrière, une vue de face. Au niveau des versions remasters, il s'agit du modèle numéro 12. On voit ici, du coup, une image qui nous rappelle justement la version du projet HD remasters. Ici, nous voyons le modèle précédent qui est le R11, puisqu'il s'agit du... Alors, je ne sais plus si ça se prononce Lago ou Lagoé. Et puis ici, le modèle suivant, le R13, qui est donc, si je ne dis pas de bêtises, le Providence. Voilà, on va procéder à l'ouverture de cette boîte. Nous allons retrouver une première grappe un peu gris-argenté, assez clair pour tout finalement ce qui doit être la frame. Une première grappe, donc la couleur un peu mauve violet du mecha. Donc l'ensemble du mecha est dans la majorité de cette couleur là. Il n'y a pas vraiment de pièces à part. Et puis
Exactement comme sur la version no grade, on peut voir que par exemple sur les ailes, il va falloir soit poser les affreux stickers, soit masquer et puis peindre en jaune la partie centrale. Une deuxième grappe avec les doubles canons et puis la version lance-missile. On trouve aussi également une partie de la tête, une partie du cou, une autre partie de la tête. Alors c'est un kit qui n'est pas hyper détaillé, hein. Il y a quand même des petits détails assez sympas. Mais il faut dire aussi que c'est un modèle qui est dans l'ensemble visuellement, comment dire, on pourrait dire qu'il est un peu blindé, puisque c'est un dérivé de char d'assaut, un peu ce méca hein, dans la série. Son rôle, c'est de rentrer dans le tas, donc il a quand même principalement du blindage, donc ce qui explique aussi qu'il n'est pas super détaillé. Et puis c'est un peu aussi un méga de celui-là, c'est un méca de un peu de troufion, hein. C'est un peu comme le Zaku de base, si vous voulez. Ici, nous avons un mélange de couleurs. Donc, une des spécialités de Bandai qui maîtrise parfaitement l'injection de plastique de différentes couleurs et réussir à mettre tout ça sur une seule et même grappe. Voilà. Nous avons ensuite une grappe en caoutchouc tout mou, qui va nous permettre d'avoir du coup les chenilles donc du méca. Et puis ici on a également en caoutchouc les deux parties un peu les deux câbles que l'on voit au niveau du cou. Alors ça, j'espère que ça ne va pas être trop galère selon la qualité pour réussir à repeindre tout ça et à faire une petite patine dessus. Donc à voir. Généralement, je suis pas très fan des parties en caoutchouc molle comme ça, c'est pas ce que je préfère, mais ça a le mérite de voilà, le mérite d'avoir fait un effort pour apporter un peu de réalisme au méca. Nous avons à part une petite partie en plastique dont je n'ai pas encore compris l'utilité, donc à voir sur la notice. Nous avons la planche habituelle de stickers. Bon, bah voilà, la planche de stickers. Et celle beaucoup plus intéressante, qui est celle-là, et qui va vraiment apporter un plus au niveau des détails du méca, un peu finalement comme ce qui s'est passé avec ceux que j'ai mis qui étaient fournis avec l'Aegis Gundam, qui. Pour moi, apporte vraiment un plus à la maquette. Voilà. Nous finissons avec le manuel. Avec à l'intérieur de belles illustrations. Assez sympa. La notice de montage. On commence par la tête, ensuite on passe au tronc, puis les jambes avant et arrière, les ailes, les armes, et on assemble tout. Et enfin, on termine avec le guide des couleurs, tout en japonais évidemment, et puis une très belle image de pose dynamique entre deux mobiles beaucoup avec chacun une des deux armes différentes et puis la Goé ou la Goï, je ne sais plus comment on le prononce, en son centre. Donc ça peut être une bonne idée de pose dynamique dans une vitrine, je trouve que ça rend vraiment très bien. Voilà, en ce qui me concerne, je pense que je vais le monter avec le lance-missile puisque j'ai déjà la version avec les deux canons en no grade. Et donc, histoire de varier, je pense que je vais opter pour la version lance-missile. Voilà. Donc, moi, en ce qui me concerne, je vais m'attaquer à ce montage. Et puis, ensuite, on fera une petite review du modèle monté à blanc. Et puis, ensuite, directement peint.
Et puis on finira avec un petit comparatif face à face, face au no grade. Et puis vous pourrez me dire pourquoi pas dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que le 1er janvier est passé, ce qui veut dire que je vous souhaite à tous une très bonne année 2019. Plein de maquettes, plein de gunpla, plein de plaisir, et puis la santé. Voilà, ça peut servir quand même de temps en temps, surtout avec les produits que l'on utilise, qui ne sont pas forcément très bons pour la santé. Et puis je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si vous voulez suivre les prochaines sorties des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ciao!